suis beaucoup trop saucé là. Il se passe beaucoup trop de choses, c'est trop bien. Oh, et là, je peux faire ça. Ça. Oh, mais oui, en plus, je peux passer à travers le décor, je peux passer à travers tout. Ah non, je peux passer à travers les pylônes, par contre. Les poteaux. Comment je fais là? Eh, hey, il y a un coffre là-bas, je veux y aller. Ah, je peux pas. Merde, je vais où maintenant? Oh bah! Là. Je vais là et ça marche. Attends, mais. Je comprends pas. Ah oui, d'accord, ok, si j'ai compris. Là, je fais. Ya! 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 Et où est-ce que je suis en train d'aller? Ya! Non? Est-ce que je me suis perdu tout seul? Peut-être. Peut-être ben un couille. Non, faut que j'aille là-bas en fait. Ya. Ya. Oh là 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 là. Incredible. Oh là là, je suis le vent, je suis la foudre. Et puis même en combat, c'est trop bien, parce qu'en fait maintenant, t'as plus l'esquive de merde que j'avais avant, où je peux me faire toucher, là non, je peux plus me faire toucher, j'ai une vraie esquive de ouf. Oh, oh là là, bah oui, un combat répété plein de fois. Avec cette saloperie qui m'a tué. Et donc là, gestion des données. Continuer, nouvelle partie, paramètres. Mais je veux pas supprimer les données. Attends. Tu peux tuer ? Pose une question. Sauvegarder les données. En quoi ? Sauvegarder les données. Ouais, c'est vrai, ça commence à sauvegarder les données. Et que je ne sais pas. Ah, il faut un doré, et je n'ai pas de doré. Ok. Cool! Excellent. Ah, et là, maintenant, on est juste maître du décor, quoi. On va rien faire avec ça. Oh là 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 là! Incroyable! La petite pièce... Merde, merde, merde. C'est où? Invocateur! Ces gardiens du sanctuaire ont appris un peu de magie. Leurs bougies peuvent être éteintes. Ah ouais, ok. Ah, mais ça, c'est le sanctuaire de la forêt de l'ouest. Putain, la forêt de l'est, pardon. Du coup, ça, c'est bon, c'est réglé. L'atoll en ruine. Apparemment, il y a un truc à faire à l'atoll en ruine. Ouais, bah c'est ça. Il se passe un truc. Il y a un truc en haut. Ah oui, mais ça, on l'a déjà fait. Ça, on l'a déjà fait, mon petit Renardo. Oh non, mais le dash. Le dash qui te débloque tout le jeu, quoi. Le dash. Le dash. Le dash. Dash, dash. Le dash 2 en 1. Excellent, bordel, excellent. J'ai passé par là. Blu 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 blu. Ah, je te comprends. Oh, bordel. Ça, ça va nous tuer si on va là-dessus, non? Oui, en effet. En effet. Non, mais je suis déjà allé ici. Il y avait un coffre dans le cimetière. Je voulais aller avant de continuer. Ah bah tiens, d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Il y a quoi là-dedans maintenant que je suis dans le monde upside down? Absolument rien. Sandro, j'ai récupéré le bat.
Oui. Oh! Je peux toujours m'en servir de ça? Ah ouais. Oh mon dieu, mais maintenant ici c'est tout. Tout défoncé. Elle a détruit le monde spirituel. Cette chagasse. Oh bordel, bordel, bordel. Ouais, mais attends, en fait, je ne suis clairement pas assez fort pour revenir ici et me frapper contre elle, en fait. Il faut que je récupère mes anciennes strats. C'est très important. Oh là, mais ce dash, il est tellement smooth! Rapide, il est efficace, il marche bien, c'est tout ce qu'on veut. Ah, c'était par là. Hors de question que je passe la suite sans avoir 100% des coffres. Attends, je peux dash à travers la porte? Bisous la porte. Oh, ma jauge d'endurance qui paraît immense à côté de mes autres jauges, quoi. C'est n'importe quoi. Tu mets le dash, quoi. Hashtag Kennen, c'est quasiment ça. C'est quasiment du Kennen tier là. À quoi ça me fait penser aussi ce dash comme ça? Oh, ça fait penser à plein de jeux, évidemment, mais. Auquel moi ça me fait penser, c'est la question. Moi ça me fait penser à un truc. Ouais, je sais pas. Il y a un petit côté Irelia aussi. Pas que Ken, c'est plutôt Irelia, genre. Pfiou, pfiou, pfiou. Ya, Ionia! Pfiou, pfiou, pfiou. Bon, après, on est déjà venu ici. En plus, ça coûte tellement pas d'endurance, regarde-moi ça, je peux dash à l'infini. Oh là 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 là! Je suis un enfant là, clairement le. Ce truc, je suis en mode. Wow. Le dash de Hollow Knight, oui, ça fait allusion. Cathédrale Claire de Lune, ouais, ok. Ça fait allusion. Putain, c'est-à-dire que maintenant faut qu'on retrouve toutes les statues de l'ermite Rikudo pour récupérer notre ancienne force. Cathédrale fantôme. Trésor. Mais là, pareil, je peux faire piouf! Oh, trop bien. Quatre étoiles, trésor incroyable. Les lauriers de l'avatar, les lauriers, c'est ça! Je disais, gna gna gna, le truc de César, ça s'appelle des lauriers. Des lauriers. Sainte-Croix. Ouais, j'ai pas la Sainte-Croix encore. Et oui, c'est comme ça qu'on récupère cette page de Manuel, et oui! Normal, PV gna gna gna, fantôme gna gna gna. Ah, et apparemment je peux avoir des PV dorés. Nanana, l'avatar, je vais dans l'avatar, nanana, et j'ai le truc dans mes bouquets, d'accord, ça je savais. Attends, quoi? On peut ouvrir les portes en faisant croix, croix, carré, rond, rond et triangle? Attends, sérieusement là? C'est quoi, c'est? Bas droite haut gauche, bas droite haut gauche, attends, bas droite haut gauche, haut droite. Donc, bas droite haut gauche, haut droite. Putain, mais incroyable! On peut tout ouvrir avec ça. Encore des pages de manuel, mais oui, mais comme s'il en pleuvait. Les secrets cachés. Nanana, la Sainte-Croix, nanana, nanana, l'itinéraire doré.
Alors, je me suis pas beaucoup spoilé dans ce jeu. Enfin, même pas du tout en fait. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a ce qu'est l'un des gros secrets du jeu, c'est celui qu'on appelle l'itinéraire doré. Voilà. Et donc, oh, c'est ça. Terminer le jeu, ouais, voilà, c'est ça. Prenez la place qui vous revient, nanana. Et il se passe un truc. Pardon, les montagnes, ok. Très bien! Bref, l'itinéraire doré, c'est une quête annexe. Ou pas. Bref, on verra bien ce qui se passe. Donc, maintenant, dans le monde fantomatique, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que c'est plus glauque ou pas? Non, c'est pareil. Toujours inutile, je crois. Ah, inutile. Parce qu'on sait toujours pas quoi y foutre. Ce dash. Ce dash est trop bien. En plus, le bruit, il est pas très chiant, tu vois. Ça va, c'est pas comme si ça faisait un bruit. Enfin, je passe, j'aime bien. Merde. J'aime tout dans le design de ce dash. Du dash des lauriers de l'Avatar. Et ouais, du coup, les portes qu'on. Ces fameuses portes cheloues dont on se posait la question au début de stream, on peut les ouvrir avec ce genre de Konami code, quoi. Alors, je parle pas le runner, mais ça, je pense que ça veut dire. Ah! Donc, on vient de débloquer la lettre A. Voilà, de rien. Et donc là, ben, l'ancienne boutique. C'est toujours une ancienne boutique dont on se fout, en fait. Le truc du bouclier. Ok, c'est bon, je me reconcentre. Faut que j'arrive à retrouver l'endroit où j'ai loot le bouclier pour. Attends, mais ça, c'est l'atoll en ruine. Ah oui, on pouvait pas y aller, c'est vrai. Il t'a refait la soirée, putain, mais ouais, mais ce dash, il a refait ma soirée, il a. J'aimais beaucoup ce jeu, là maintenant je le surkiffe, je l'aime d'amour, je vais dash partout. Et être très heureux. Oui, en plus, en faisant le con, on a retrouvé la maison bouclier, elle est là. Juste là. Eh oui, mais là, comment on fait pour passer? Ah, comme ça. Donc là, c'est. J'ai déjà oublié. Le code, c'est. On sent par bas, ça marche donc c'est. Merde, c'est bas gauche, pas droite. Pas gauche, non, bas droite. Ça marche pas là. Bah ça marche pas avec toutes les portes apparemment. Ou alors là c'est pareil, il doit me manquer de la data. Béon! Du coup, prochaine étape. La forêt. La forêt parce que, eh bien, la première sépulture de l'avatar qu'on trouve dans le jeu, bah, c'est dans la forêt. C'est là où on loot. Épée. Pourquoi je peux pas aller là-bas? Ah voilà. Là on loot l'épée, n'est-ce pas? Attends, juste, je check un truc. Ah oui, du coup d'accord, les PV dorés et tout, c'est quand tu as. Quand tes PV ils sont en mode avatarisé quoi. Quand tu en profites dans le monde upside down. Oh non, on peut pas aller là-dedans. Comment qu'on fait du coup? Non mais ça c'est la forteresse. Forteresse, on s'en fout. On peut passer par juste la forêt normale. Ah oui, et du coup là. C'est comme ça qu'on y va en fait ici. C'est pas du tout comme ça qu'on va ici. On aura essayé. La forêt. Oh, je connais ce symbole.
Non. C'était pas ça. Putain, les croix de la manette directionnelle, elles servent à quelque chose en fait. Ça qui est ouf, c'est qu'elles servent à débloquer un code. Ça, c'est dingue. Oh non, on peut pas descendre. Are you kidding me? Si je prie devant toi. Fais chier. Donc, on peut pas aller dans la forêt. On va tenter du coup les jardins de l'ouest. Merde. Je cramais toute mon endurance. Qu'est-ce que tu me dis, toi? Non, 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 les jardins! Ça tombe bien, j'y allais au jardin, ma grande. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah oui, comme ça. Il me faut une pincée de... Ça. Je vise celui-ci. Et oui! Ça, on s'en fout. Ça, on... Oh, attends! J'ai sou... Merde. J'ai souvenir que par là-bas, il y a une page de manuel. Eh oui. Salut, toi. Un mal redoutable surgit des ténèbres. L'avatar blublu la cathédrale. Et le monde fut précipité dans le chaos. Ok. Et derrière, une geôle et une Jace. Loire, Loire de Loire, nanana, la Sainte Croix. En attendant de dignes successeurs, nanana, l'itinéraire doré. D'accord, pour info, Loire, enfin L apostrophe H-O-I-R, c'était le nom du boss qui nous a buté. C'est la femme renarde qui nous a mis dans cet état de fantôme. Et apparemment, ça m'a l'air d'être le boss de fin. Ça m'a l'air d'être la méchante. Et donc moi, je suis l'avatar, maître de ces quatre éléments. Non, attends. Par là. Non. En train de me dire que là je suis coincé ici. Non, c'est bon. Je crois que je peux passer par là. Ah, ouais, c'est bon. Pff, putain, je vais y avoir peur. Mais non, tout va bien. Les jardins de l'Ouest. Ah, on peut pas y aller par là. Attends, mais comment on y va du coup? Comment on va dans les jardins? Je commence à être à court d'options là. Bon, faut que j'utilise les téléporteurs alors, hein. Si le monde entier est coincé. Hop les. Je vais aller par là du coup. Là, je suis intérieur du sanctuaire de l'Est. Ah! Ah oui, donc là c'était le premier boss. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il vénère la clé. Nanana. Engin de siège. Oh là là. Pas très causant. Ah, c'est là où on avait battu le premier boss. Y'a rien de plus apparemment. Sont juste tristes parce que ben, j'ai enlevé la clé. La sépulture de l'avatar. Budu. D'accord. Ah, il y en a peut-être une par là-bas. Ce me semble. Oh non, pas toi, non. J'avais réussi à arrêter de faire des cauchemars de vous. Vas-y, attaque. C'est le prix qui se dédouble, bah oui. Putain, arrête de cibler les bombes!
Oh mon dieu, je suis un dieu, je me déplace partout à la vitesse de la lumière. Voilà, ce que j'allais dire, je vais me prendre un coup du karma, ça va être incroyable. Mais quoi? Attends, mais il m'a one shot. J'avais claqué plein de potions. Merde, attends, je suis où maintenant? Oh putain, je suis au cimetière, non mais à l'aide. Non mais à l'aide. Et attends, on peut l'ouvrir celle-là aussi? Et si? Grâce au Konami Code. Argent! L'épée de feu! Et ça c'est quoi? Myrtille! Alors, qu'est-ce qui se passe si j'équipe l'épée de feu? Pourquoi j'ai plus qu'un point de vie? Non, non, je veux pas ça en fait. C'est bon, j'ai changé d'avis. J'ai très fortement changé d'avis, je veux pas avoir qu'un point de vie. Je ne suis qu'un enfant. Je crois avoir quelque chose. J'ai perché. Eh bien, la forêt? Y a pas moyen de vite fait le village, ok. Je regarde vite fait là. On va au téléporteur, puis on va à la forêt. Tiens d'ailleurs, attends, je vais me poser une question. Non, je peux pas faire ça. Maintenant que je suis dans le monde fantomatique, maintenant que je suis en fantôme en fait. Je suis pas dans le monde fantomatique, c'est juste moi qui suis devenu un fantôme. Qu'est-ce qu'il y a dans le temple? Quelque chose de néfaste. Ah, c'est comme s'il m'avait entendu. Quatrième clé? Comment ça, quatrième clé? Ouais, une quatrième clé. Engin de siège, ouais mais ça on l'a tué l'engin de siège, tu vas dire quoi? Avatar imbécile, ah oui bah, ouais je suis un peu con, j'ai délivré le grand mal qui va tous nous tuer, je sais. Bref. Partons dans la forêt. Pour récupérer nos pouvoirs. Et... enfin nos pouvoirs. Nos stats et STEC. Je me demande si un jour on va réussir à comprendre le renardien du coup. C'est lequel sur la forêt déjà? Oh mais le lore de fou dans ce jeu, c'est incroyable. Ouais. 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 Voilà, c'est ça que je voulais voir. Sanctuaire de l'Est, c'est ça que je veux. Ah, jardin de l'Ouest. Ah bah non, bah oui, il est désactivé, bah oui, quel con. Toujours, il n'a jamais été activé en fait, celui-là. Bon,
Cette fois, est-ce qu'on arrête d'être con? Allez. Oh non, c'est pas ce que je voulais faire. Mais putain de toi! Putain de moi, putain de nous! Pourquoi j'arrive pas à buter ces petits trucs à la con? Enfin, je sais pourquoi. Parce qu'il me faut la baguette magique sur le triangle. Sinon, je fais de la merde. Je suis où? Oh non, putain, c'est vrai. Ah, faut que je prenne le truc dans l'autre sens. En plus, t'es si rapide quand tu te TP comme ça. Poulalala. Eh bien, à tout à l'heure. Peut-être que d'ici à ce que tu reviennes, j'aurai enfin passé ce mob chiant qui en fait n'est qu'un mob normal et juste moi je suis nul. Et voilà, passer la suite. Oh mon dieu! Tout ça parce que je suis trop impatient et trop radin pour utiliser des items. Pas me faire chier jusque là, si? Si. Mais putain, pourquoi je suis con? Terrible. Rendez-moi ma jauge de PV normale. Allez. Qu'est-ce que je vais récupérer cette fois? Je sais plus ce que c'est les fleurs, c'est les PV? Non, c'est pas les PV. Je sais plus ce que c'est. Oui, mes points de vie, merci mon dieu. Ah. Ok, j'ai mes points de vie. Alors maintenant, mon gros kiff, je vais pas mentir, ce serait de récupérer mes potions améliorées. Et pour ça, je me rappelle, parce que j'ai fait il n'y a pas plus tard que il y a 1h30. C'est dans la carrière. Enfin, en fait, le monde est envahi par les ténèbres, genre.
Ah ouais, ça pue du cul. En fait, c'est même pas ça me fait perdre des pandits, c'est que je ne peux pas m'en approcher, donc la forêt, elle est mauzette. Je ne peux pas revenir au début du jeu pour choper la statue de l'avatar où j'ai récupéré mon épée, en fait. Chiant, ça. Chiant, chiant, chiant. Ok. Ensuite, où est-ce qu'on pourrait aller? Ruine du village, sanctuaire de l'Est. Le bleu bleu d'en haut. Ah, attends. Ah, il y a... Celui en haut à droite, c'est la carrière. Ah, celui en haut à droite, c'est la carrière. Allez, Zoubi. Mais par contre, on peut pas prendre celui qui est en haut à droite, on peut prendre celui qui est derrière l'escalier, non? Non, on peut pas. Allez! Please! Donc ça, ça amène pour qu'on se batte contre elle. Donc en gros, j'ai que les trois de droite qui sont activés. J'ai Sanctuaire de l'Est, Ruine du Village et le truc en hauteur. Bah, j'essaie de prendre le truc en hauteur. Je prends celui qui est en bas à droite. On va faire ça. Oh! Salut toi! Loire. Le vaincre. Non, non, la Sainte Croix. Très bien. Très bien, mon petit. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, on va se casser de là. Ah, on peut pas. Ah, par contre, on peut récupérer. Oh, si on. Alors, déjà, on peut se casser, mais en plus, on peut récupérer masse de thunes. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est vrai que c'est pas du tout anxiogène, le monde envahi par les ténèbres. Oh what? Non mais du coup on se bat? Si je veux ne pas me battre. C'est vrai que nos coups d'épée font plus très mal maintenant, hein. On a le dash du dieu divin, mais du dieu céleste, mais... On a le vol du dieu de la foudre, mais... On frappe un peu comme une crevette. Hop, on récupère... Oh, l'énergie qui remonte tellement vite. Oh, il y a le deuxième. Oh merde, ça par contre, ça met pas bien. Ça passe de... Oh, c'est mort, un combat un peu dur, à... Oh mon dieu, un combat qui... Oui, oui, ça va. Dans ma barre de PV, c'est littéralement toutes mes potions, genre, maintenant. Ok, on peut le faire. On peut péter la gueule à Anubis. Et ses Anubites. Si t'as joué à Jeff Mythologie, toi-même, tu sais.
Voilà, voilà, salut. Oh non, on peut pas se barrer par là. Non. On est coincé. Ce moment où tu crois que t'as une bonne idée, et en fait, ben... En fait, non, parce que t'es coincé. Oh, si j'ai rien dit, je suis un connard. Là, c'est quoi? Oh oui, je vais récupérer encore d'autres stats. Donne-moi mes stats. Qu'est-ce que j'ai récupéré cette fois? Champignon glace. Ça, c'est la défense, je crois. C'est éviter que je me fasse trop tatane. Les champignons glace. Ah non, c'est la mana. D'accord, ça me va. Ça me va aussi. Wow. Ok, on peut se barrer de là. Oh, c'est trop excellent ce côté où... Tu t'es fait déboîter par le méchant, tu as perdu toute ta force et tu dois la récupérer petit à petit. Tu récupères petit à petit des fragments de ta force. Trop trop bien. Stat par stat. Ah, c'est un classique là. Le coup du héros super fort qui à un moment donné perd ses pouvoirs et qui doit... passer des épreuves pour les récupérer. Yep. Là, ça ramène nous ici déjà. Ok, puis là où je voulais. Nickel. On va tenter d'aller. Oh! J'avais pas vu lui. T'en bouges pas, mon grand. Oh yes! Du coup, je crois que par ici, on peut servir de ce chemin pour aller au jardin de l'ouest. Oh attends, je t'ai vu tout là-bas, le petit chemin qui sent la noisette. Oh attends, il y a quelqu'un là-bas, je vais lui parler. Capacité de concentration. C'est ridicule. Moi je vais par là, j'ai rien à faire par là. Concentre-toi deux secondes, espèce d'enfant hyperactif. Tic tic. Là, le coffre. Et là, où est-ce que je suis maintenant? Oh, bah les jardins de l'ouest. Eh. Je l'avais prédit. Sauf que comment on y va, en fait? C'est mignon tout ça, mais... Oh comme... Isashi Buritana des crocodiles des ténèbres. Ça, c'est pas très chic. Oh là, c'est où on avait récupéré le... La dent de glace. Oh, par contre, la musique des jardins de l'ouest... Bah, elle est trop pire. Là, c'est le jardin de l'est un peu corrompu. Putain, il y a beaucoup de merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi jouer safe là? Non, pas du tout. Est-ce que je me suis chié dessus? Oui. Putain. Je vais pas pouvoir accéder là-bas. Comment on accède là-bas? Ah, je crois que je sais. Non, je ne sais pas. Peut-être comme ça.
peut pas accéder à ce truc d'ailleurs, tiens. Ouais. Ah, et vu que ce truc est pas activé, on peut pas. On va pas passer par là non plus, mais. Qu'est-ce que putain de quoi? Ah, bah voilà! Là, on parle. Donc là, on va pouvoir utiliser le téléporteur. Eh oui. Eh oui. Je vais me barrer de là. Merci. Mais pourquoi je peux pas y accéder? C'est terrible, ça. On pourrait y accéder par l'autre côté, j'imagine. Genre ça. On y accède. Qu'est-ce que le fuck? Non, mais là je reviens au début. C'est pas ce que je veux. On vient là. Bon, sûrement moyen de revenir là. On y réfléchira plus tard. Ah ouais, chaud. Le monde est corrompu par les ténèbres. Et moi, je dash partout. Oui. C'est pas que je suis là. Bam, boum, pow. Mon grand. Oh. Et là? Là je meurs? Oui je meurs. Que j'ai envie de mourir? Non. Oh là ils sont deux. Ça va être compliqué là. Oh ils peuvent pas passer par là. Ah s'ils peuvent. Voilà. Ah mec. Ça dérange pas trop. Ok. Ouais. Je ne sais pas. Je repasserai plus tard. Je me rappelle de cet endroit. Et on se demandait comment passer. Nanana, mort. Ouais. Non, on était déjà venu ici. Par contre, on se demandait comment passer, c'était là-bas. C'est plus. Tu perds de la mana. Ah là, c'était là où je voulais aller à un moment donné. Je suis là, mais comment on peut aller? What the fuck? Oh, il pêche. Ok, copain. Mettre pas plus, hein, je ne faisais que passer. Hop, on n'est pas con. On sauvegarde. On a des piastres, oui. Oh oui. On en a plus. Ah!
Je commence à le connaître par cœur ce code, c'est trop bien. Quoi? Quoi? Ah, mais tu te fous de ma gueule! Oui, j'ai déjà une épée, mais heureusement. Ah, bon, le... De mémoire, le... Rien. C'est plus sur l'avatar, c'est là. Voilà. Rends-moi mes stats. Je sais plus ce que c'est ça par contre. Stats. La défense. Ne pas me faire défoncer la gueule, ça me va très bien, n'est-ce pas? Parce que je voulais vraiment aller par là, moi. Ah ah! Bah très bien. Donc non, je ne veux pas aller par là. C'est décidé, j'ai bien réfléchi. Je ne vais pas aller par là. Jardin de l'Ouest, c'est très bien, c'est là où je veux aller. Parfait. Il y a d'autres endroits où je suis pas encore allé, hein. On va pas partir tout de suite. Par contre, ils sont foutus de ma gueule avec le coup de l'épée, genre, vous en avez déjà. Et en fait... Je t'ai foutu de ma gueule. Comme un seul, oui. Oui, oui. Ah, je t'ai pas retourné ici. Ah, chiant. C'est bloqué. Par contre, je peux aller là. Et voilà, le fameux coffre. Bien. J'ai failli tout faire tomber. Le fameux coffre qu'on voyait depuis très longtemps, qu'on a passé une heure à chercher comment on essayait de pouvoir... Enfin, on pouvait l'atteindre. Et en fait, tout simplement, il fallait dash à travers le décor. Donc ça, ça me tue. Avec les miasmes à la con. Je connais. Est-ce que je peux prier devant ça? Il y a quoi? Rien. Ah mais tu m'as pas oublié toi? Oublie-moi! Lâche ma veste! Fous-moi la paix! Franchement, non, je peux pas grimper là-dessus. Mais bordel, vous êtes un peu collant! Par contre, clairement, on peut tellement bourrer avec le dash maintenant. Voilà. On va péter la gueule histoire d'explorer sereinement. Bleh ! Aïe ! Troisième coup était un peu greedy. J'en conviens. Euh...
on va là-bas en fait? Ah, on peut faire comme ça. Excellent. Ah, et donc on ne peut plus retourner là où il y avait le boss. Parce que si on passe par là... Oh mais c'est la merde! Ah non, on peut pas retourner là-bas de toute façon. Tain, mais alors comment on récupère la page de manuel qu'il y a tout là-bas? Je vous le demande. Bon, on va essayer d'y retourner. Ouais, c'était par là. Là, tu fais. Ça. Allez, laisse-moi y aller. Voilà. Oh, t'es chiant, toi. Mais comment on accède à ces trucs là-bas? Je peux pas accéder au... Au machin, quoi. Ouais, machin, truc. J'ai un vocabulaire châtié. Ah, attends. Là-bas. Là-bas. Ça. Ouais. Ouais, mais non, ça m'intéresse pas. Ouais, tant pis. On reviendra plus tard. Peut-être quand le monde il sera plus plongé dans les ténèbres, on pourra peut-être faire des trucs. Paf! Du coup, au jardin de l'Ouest, c'est fait. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est la carrière. Le retour dans la carrière. Tout de suite, sur vos écrans. Vas-y, fais chier! Fais chier, fais chier. Comment je fais pour aller là-bas? Ah! Changement de plan. On se rappelle, pour aller à la carrière, on pouvait passer par les monts enneigés. On pouvait passer par les monts enneigés. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ah bah tiens, d'ailleurs, on avait le gros truc doré, là. Est-ce qu'on peut pas se mettre devant et faire? Bah non, pourquoi ça marche pas cette fois? Non, bah les couilles, d'accord. Le Konami Code de cette fois ne marche pas. Oui, c'est ça que je voulais. Faire un petit tour en montagne. Nous sommes... cette l'eau. Vous êtes entouré par des grelots qui font du ski. Vous-même, vous portez une paire de locations, ainsi qu'un jean. Car vous n'êtes pas de la région. Et oui, on se rappelle, il y avait un petit passage secret par là, qui mène... Où ça? Derrière la carrière. Et là, si tu me dis que ce chemin, il n'est pas dispo... Je... Voilà. Ok, le chemin a l'air dispo, mais ça a l'air d'être la merde dans le coin. Ah, et du coup, ce truc-là, tu ne peux pas y accéder tant que tu n'as pas la capacité de te téléporter.
Voilà. Donc, évidemment, on sauvegarde histoire que si on meurt comme un débile, on ne recommence pas de trop loin. Parce que là, j'aurais grave la flemme. Donc là, le deuxième coffre, bim ! Plus de champi. Oh mais ce dash, les possibilités sont tellement infinies en fait. Tu peux vraiment potentiellement dash partout. Traverser des murs, traverser des éléments de décor, traverser des ennemis. Tu peux vraiment tout faire quoi. Et ça c'est bien. C'est vrai qu'on est dans un endroit qui pue la défaite. Hop. Sky gaz. J'ai écrit quoi? Potion monastère carrière, ouais c'est ça. Oh tu te fous de ma gueule. Oh tu te fous de ma gueule. Oh tu te fous de ma gueule. Putain, on vient enfin affronter ces bestioles. Oh mon cul. D'accord, il m'a vraiment défoncé la gueule. Oh, fait trop chier que mes coups d'épée font pas mal. J'aimais bien quand j'infligeais beaucoup de dégâts, mec. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je peux le faire. Bon, même avec le dash divin, là... Le jeu est pas gratuit. Hein. Non plus. Il a paru. Ah voilà, il faut vraiment aller jusqu'au bout. Je crois m'avait touché. Le dash est tellement rapide. 1, 2. Oh, full combo dans ta bouille. Ok! Meurs s'il te plaît. Merci. Et donc là, le chemin est débloqué et je vais pouvoir récupérer mon pouvoir de potion. Et ça va me mettre extrêmement bien. Les autres sanctuaires de l'avatar. Je sais pas trop où ils sont. Hein. J'aurais dû noter leur position, mais je l'ai pas fait. Bah si, en fait c'est bon, il en reste qu'un seul. En fait il en reste qu'un seul et c'est celui de... Bah le premier. C'est le premier, c'est celui de la forêt. Bien. Donc.
Ça, ça explose, non, de mémoire. Ouais. Oh, attends. Pas loin. Paf, paf. Et bon, on va y retourner. Hein. On va se tourner. On va essayer de trouver un chemin pour aller à la forêt. Oh, attends. C'est quoi ce chemin, déjà? Ouais, je compte ces chemins. Le monastère. Ah non, moi j'ai perché. Je crois que c'est le chemin pour monter à la montagne, mais non, c'est juste le truc pour aller au monastère. Un raccourci. Mais qui n'est plus un raccourci parce que, ben. Le monde est détruit! Et plongé dans les ténèbres.